Et salut tout le monde, on se retrouve pour Metroid Fusion, Metroid Prime Fusion, on l'a déjà fait. Et ben c'est parti, hein. Vers ce con de boss là que j'arrive pas à cramer. Je m'y suis pris à plusieurs fois, j'ai pas réussi. Ben, on va le réessayer. Allez, ah oui, c'est vrai que j'avais recréé ça. Ouais. J'avais recréé ça pour voir s'il y avait le niveau de difficulté en début de game. Mais non, il n'y en a pas. Ah, putain. Monde de Fendrana. Le monde de Fendrana. Hop, on récupère un petit peu de missiles. Alors là, si je me rappelle, c'est ça. On charge et on bousille. Et après, on remet le rayon et spring. Voilà. Le truc bien relou, quoi. Allez, prends la boule. Putain, mais ça te donne que dalle en missile. Ah, il y a des caisses là. 39. On va essayer d'arriver full missile. 49, voilà. Full missile sur le boss, ça devrait aller mieux déjà. Bon, comment qu'on... Ah oui, ok. Le Morph Ball, elle est là. Ça c'est les missiles, ça c'est ça, et ça on saute. Ok. Bonjour. Comment vas-tu, le boss? Le boss que j'ai pas réussi à battre encore, malgré mes quelques tentatives. Est-ce la cinématique? Bah, j'ai envie de dire go, hein. Faut scan thermique, voilà. Ah, il m'a gelé. Ah, le bâtard. Ah, je vois pas où il est. Mais pourquoi je peux pas tirer des missiles là? J'en ai déjà plus. C'est quoi le bordel? Ah si, j'en ai qu'un. Ah putain, j'étais pas sur le bon rayon. J'étais pas sur le bon rayon. Ah. Putain, mais en plus, on voit même pas où il est. C'est ça qui est chiant. Bam.
peut-être un peu fort pour le... Putain. Scan thermique. Aïe 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 aïe. Bam, on vire le scan thermique. Putain, son rayon de glace là, franchement. Allez! Bam! Rayon thermique. Merde. Aïe 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 aïe. Bam! Putain, il me gèle! Rayon thermique. Ou pas? Oh, ah putain! Je pense qu'on va jouer la stratégie, on va attendre qu'il envoie ses boules. Ah! Mais non! Il est où? Oh là là, il a failli m'écraser là. Essayer de récupérer un petit peu de vie. Ah. Allez, on récupère un petit peu de vie. Ah, mauvaise idée. Ah oui, c'est vrai qu'en chargeant, ça attire. Bon allez.
Bam! Bam! Meurs pas écrasé, c'est tout ce que je demande. Ok, il me faut des missiles. Et j'en ai plus assez. On voit pas où est-ce qu'il est. Et allez, putain. Ah merde, j'ai bouffé les missiles pour rien. Ah. Allez, décongèle-toi! Non, putain, mais arrête de m'écraser, toi! Même avec la morvole, on voit pas où est-ce qu'il est. Allez! Putain, mais j'ai pas assez de missiles! Bon, va falloir l'avoir avec... Je vais crever. Oh putain. Ah non. Un point de vie. Non mais j'ai plus de missiles là, je t'explique, j'ai plus de missiles! Ah ouais non, il me restait un point de vie de la dernière barre de l'avant-dernière, ok. Ouh. Allez, balance tes pierres. Ah! Merde. Allez. Allez, tes pierres, tes pierres, tes pierres. Ah! Non, non, 5 points de vie, aïe! Ouh! Bon. Ah putain! Oh là 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 là.
On va faire comme tout à l'heure. On va récupérer ce qu'il y a dans les caisses, histoire d'arriver full. Sauf qu'on va faire un aller-retour de plus. J'arrive avec 50 bastos. Ben, bon. Merde. J'ai pas dépensé les missiles, c'est cool. Ah putain, je me gourde de touche. Le temps qu'elle se mette en bull morphing. Et oui, c'est vrai que j'ai la speed aussi. Ah putain. Allez, j'ai sauté pourtant là pour l'éviter. Putain, je sais même pas comment l'éviter. Allez!
Mais arrête de me geler, toi! J'ai déjà bouffé près de la moitié de ma vie et lui, il en est même pas au quart. Allez, tire! Ah! Ah putain! Non! Plus de missiles. J'ai bouffé la mauvaise... tous mes missiles sur rien du tout, quoi. Ah putain, boss à la con, sérieux. Allez, balance-moi tes pierres. J'ai pas dit ton rayon de glace, j'ai dit tes pierres. Ok, si tu veux pas. Pourtant, le viseur, il est saturé. Pourquoi j'arrive même pas à le viser? Allez, Coco! T'as pas perdu encore assez de vie, donc vas-y, brouille! J'ai que 4 missiles. Ah putain, ils se font en boule au mauvais moment. Ouais, c'est bon, crève, 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 s'amuse, parce que là tu me saoules. Et voilà, je vais recrever.
Putain! Saleté de boss! Même en démarrant full missile, ça passe pas. Hein. Allez. C'est juste un petit peu dur, c'est tout. Juste. Il est où? Donc en gros, il faut vraiment les squinter avec les missiles, quoi. Et j'en ai cramé un et il était pour rien. Oh, j'ai échappé belle là. Bon. Voilà. Ça, c'est obligé. Je l'ai eu ou je l'ai pas eu? On va vite le voir, hein. Je l'ai eu. Bam! Ah, je l'ai pas eu là.
Mais quoi? Mais je l'ai touché là, non? Ah là, je l'ai. Putain, je l'ai eu en boule. Je l'ai eu en boule. Ça, c'était beau. Je l'ai eu alors qu'il était en boule. Ah, il était au-dessus de moi. Je me disais, c'est bizarre, il est parti où? Je l'ai eu? Ben non, je l'ai pas eu. C'est ce que je dis. Il y a des fois, on bouffe des missiles pour pas grand-chose. Et là, je l'ai eu. Allez. Allez, elle est où ta prochaine zone là? Ah putain, il s'est foutu en boule. Je pense que je peux le faire là. Il y a un espoir. Ah putain, mais il était derrière moi. Autre zone, nouvelle zone.
J'ai pas de missiles, putain, redonne-moi des missiles, please. Et de la vie. Des missiles et de la vie. Des missiles aussi. En tout cas, merci pour la vie, mais des missiles. Parce qu'il veut pas me redonner des missiles. Ok, ça reste saturé. C'est passé de justesse. Je peux le faire, je suis sûr que je peux le faire, mais... Oh putain! Il y a encore une autre forme. Oh putain, fais chier! Ah, déjà on y voit mieux dans la salle. Wow.
Ah, je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie autant de pierres. Balance-moi de la vie, vas-y. Putain, ça fait du bien. Ah la vache! Ah, il est éprouvant ce boss. Morph Ball magnétique. Ah, faut appuyer sur R. Oh là là, vacherie. Faut appuyer sur R pour s'accrocher au monorail magnétique. Oh, c'est une vacherie, cette merde là. On visite. Ah non, et j'y suis pas réussi à tomber. Je sais même pas si on peut en fait. Apparemment, on peut pas. Apparemment, c'est pas possible. Hein. D'accord. Doit forcément y avoir un truc à faire avec ces monorails, hein. C'est obligé qu'il y ait un truc à faire. Ok. Et là, on dirait qu'on peut rentrer dans ces bordels. Et apparemment non. Ok, il est où le plan? C'est pas d'où je viens, ça, si? Ça me paraît de... Ah non, c'est pas d'où je viens. Et on
plus, il y a un truc magnétique. Ah, c'est rayon de glace. Ok, et ça mène où ça, cet ascenseur-là? Hein? Secteur sud des cavernes du Magmour. Ok. Par contre, il me semble qu'il y a des trucs à faire avec le magnétique. Là où j'étais avant. Faut prévenir qu'il y a des. Qu'il y a du flaming ici. Ah ouais! Non, j'ai pas sauvegardé le boss, putain! Je suis con, j'aurais dû aller sauvegarder. Bon, ne pas venir ici. En plus, on sait même pas où ça mène. Bon. Refaire ce compte boss. Quoi? Ah oui. Missile. Ouh. Bon. Ah, ça a même pas. D'accord, ok. Ça a même pas rechargé les caisses. Après, je m'en fous, je reviens ici. Je reviens ici, je sauvegarde. Puis j'ai des trucs à visiter aussi avec le magnétique. Bon, on va se refaire ce putain de boss. Mais je l'ai eu une fois, je. Pouvoir l'avoir une deuxième fois normalement. Rebonjour. Ah, il s'est protégé!
Oh, je l'ai eu. Et voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Allez. En fait, faut l'avoir quand il est avant qu'il se mette en boule. Et après, faut lui trucider sa gaule. Réserve de missiles critiques, non, c'est vrai. Et je l'ai eu. Yes, 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 ça c'est bon. J'ai plus que de missiles, je me suis fait écraser, j'ai plus que de missiles.
Là, j'ai plus de missiles. Du coup, c'est à la Wallagan qu'il faut le battre. C'est la dernière phase aussi, c'est la plus simple. J'ai récupéré 3 missiles, c'est good. Et juste après, je sauvegarde. Pas envie de me le retaper, ce boss à la con là. Plus de munitions. On l'a rebattu deux fois pour le prix d'un. C'était l'ultime provocation, ça, le prank. Magnétique. Yep. Sauf que moi, je veux repartir ici. Je veux me barrer d'ici. Je veux aller sauvegarder. Laissez-moi passer. Oh! Faut prévenir quand on passe dans un monde beaucoup plus compliqué.
Il est où? Non, mais faut vraiment prévenir. Je suis désolé, mais... Sauvegarder. Oui, je sauvegarde, oui. Non, mais c'est bon là. Bon, je crois qu'il y a des trucs avec le rail. Donc on va aller voir. Mais pourquoi il était invisible le truc? Ah d'accord. C'est une salle de sauvegarde. Putain, mais je sais pas ce qu'il faut faire là. Ah oui, mais ils sont derrière la porte. Comment je passe? Mais faut prévenir aussi quand le niveau il up d'un seul coup. Ouais, tu as le mort-bol magnétique, mais tu vas en chier. Voilà ce qu'il pourrait dire. Plutôt que tu as le mort-bol magnétique. Va dans l'autre niveau. Ah. Ok, ben je vais en chier. Bon, je sais plus où c'était le magnétique qu'il fallait l'utiliser. Il semblait qu'il y en avait un ici, mais non. Apparemment non. Je sais plus, ouais. En plus, il y a le rayon de glace, je vais pas y aller tout de suite. Je vais quand même aller à l'autre salle, on sait jamais, mais. Non, j'ai pas envie. Merci, au revoir. Putain, il m'a dévié de la porte, ce fumier. Le niveau up d'un seul coup. Ah non, mais c'est horrible. Bon, le laboratoire, on s'en fout.
Ah oui, là il y a du magnétique. Ah non, mais j'ai peur. J'ai peur d'y aller là-bas en fait. Je vais pas y aller tout de suite. Non, je vais retourner là, bien sagement, et qui vivra verra, moi. Ils sortent d'où ces robots là? Les effets de brouillage, ils sont super bien faits. Oh là 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 là, ce jeu de l'enfer. Echo, c'était la galère pour trouver le chemin, là c'est la galère pour avancer. Mais tu sais ton chemin. Bon. Ah putain. J'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller. Allez, on va quand même y arriver. On est arrivé jusqu'ici, donc. Une salle de sauvegarde. Ah, mais d'accord. Il y en avait une là. Il y avait une salle de sauvegarde là. Ok. Mais non, je voulais pas remonter. Je voulais pas remonter. Je vais redescendre. Non, je peux pas. Comment ça, je peux pas redescendre? Ah si.
Bon, et là, je sais même pas où j'atterris. De l'autre côté, en fait, j'atterris. Où? Putain, mais tu vois pas où t'es? Allez, crève! En fait, le boss, il me plaisait bien, quoi. Le gars qui sait pas ce qu'il veut. Ah ouais, le boss me plaisait bien. Ce dispositif est en état de marche, mais il y a hors tension. Alimenter trois conduits d'énergie situés à proximité. Yep. Ah oui, il est actif, ok. Bah voilà. Et qu'est-ce qu'on a ouvert là? Une réserve d'énergie, mais faut passer dans la lave, sympa. Ah, on l'aura peut-être plus tard. Donc là, c'est d'où on vient. Là, on peut passer. Ok. Et là, il y a une autre porte. Qui se situe ici. Bonjour. Ça donne pas envie. Non mais ça donne vraiment pas envie. J'ai même plus d'énergie donc
Je crois que j'allais me régénérer, quitte à revenir ici et à me refaire trucider après. Maintenant que je sais comment est la salle, ça devrait aller mieux. Ouvre-moi la porte, je peux aller sauvegarder. Et me régénérer par la même occasion. Merci. Waouh. Bon, ça va mieux. Ok, donc là c'est obligé d'activer. Ok. Ok. Donc ça brumise, ça condense, ok, mais ça fait qu'un seul chemin. Sur les trois disponibles. Mais c'est déjà pas mal. La porte du canal est a été ouverte. La lave a été refroidie. Et comment on fait pour avoir la réserve d'énergie? Oh putain, en plus c'est chronométré. La porte du canal nord. Ok, réserve d'énergie. Vas-y, go 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 go. It's good. Yep. Ça c'est fait. Après, faut aller où? ce chemin ne me donne pas envie, on va monter.
Et ce chemin a l'air d'être totalement infranchissable. Ouais. Totalement. Ah, les couleurs utilisées sont pas mal. J'aime bien. Comme un con, je tombe dans la lave, quoi. Bon. Bonjour. Oh putain, il y a ces trucs de merde. Assez vite cramé, mais... Ok, une salle tout en hauteur, sauf que faut pas chercher à monter pour le moment. Ok. Ça, faut s'en faire des plateformes. Maintenant, un petit couloir simple, efficace. Oh putain, il y a encore de ces trucs de merde! Comment qu'on fait? Non mais c'est bien beau, mais comment on fait là? Ouais. Ah ouais, même la lave a les textures de l'eau en fait. Ah, la physique de l'eau. C'est simplement la texture qui change. Ok. Donc ça je crois que c'est mort, hein. On va quand même essayer, mais... Ouais. Bon. On devrait pas être là. Et je crois que ça se voit qu'on devrait pas être là parce que là on peut pas avancer plus. Donc. Donc on peut pas avancer plus. Il n'a pas fallu que je passe. Oh putain!
avait pas un autre. Ah, énorme les reflets des yeux. Ah, c'était énorme. Le reflet des yeux de Samus dans la visière. Donc là, on a dit que c'était bloqué. Là, on a dit qu'on pouvait pas aller plus loin, qu'elle s'était éboulée. Là, on peut pas aller plus loin. On n'aurait même pas dû aller dans cette salle-là. Ah, en fait, on est arrivé dans cette salle. Bah si, il y a le morph-ball magnétique, là, normalement. Il y a une morph-ball magnétique, normalement, ici. Bah, on va y retourner, ouais. C'est bizarre, quand même, que je l'ai pas vu. Peut-être aller me régénérer avant. Mais il y a une morph-ball magnétique. Je sais pas où elle mène, mais il y a une morph-ball magnétique. Allez, Samus, tu peux le faire, tu peux y arriver. C'était beau ça. Ok, donc là ça va tout de suite mieux ici. Donc normalement avec la morph-ball magnétique ça devrait le faire. Il n'y a pas la magnétique, putain. C'est quoi cette merde?
On va passer à l'arrache, hein. On passe à l'arrache. Ok, Et voilà. C'était pas comme ça que je devais passer, mais je suis passé. Et c'est même pas là qu'il y a une morph-ball magnétique en fait. C'est où qu'il y a une morph-ball magnétique alors? Ah, c'est juste après! Ah, il y avait un vieux chemin là. Je devrais pas être là, mais j'y suis quand même. Fallait où? Rayon blanc, rayon de glace. Là, il y a peut-être un truc. Là, il y a peut-être un truc, ouais. Ouais, on va y aller. Ah merde, c'est vrai. Putain, je suis con. Le chemin Morbol. Merci de m'avoir cramé la gueule. Ah mais non! Mais oui, mais le chemin Morbol, en fait, on l'a déjà ici, non?
On l'a déjà ici, le chemin à Morbol. Ah non, c'est après. C'est plus loin. Et hop, pas tomber. Parce que là, on y va vraiment. Là. Ah ouais, non, mais on peut même pas y aller ici. Même en magnétique, on peut pas y aller. Et merde! Ouais, bon, on va revenir en arrière, on va prendre l'ascenseur. Il y a tellement de chemins que je peux prendre avec le morph-ball magnétique. Comme ça, tu me feras pas chier. Nous revoilà à talons. Rayon de plasma, je peux même pas l'ouvrir. Là, il y a un autre ascenseur. Là, c'est les rayons de glace. Je peux même pas y aller. Oh bon, on va prendre notre ascenseur. Donnez-moi de la vie, allez-y, donnez-moi. Ouvre ta bouche.
à Fambourg. Où qu'on va? Je sais même plus. Normalement, c'est dans le désert, il me semble. Si, même plus. Y a du sable, ouais, c'est ruine chose, c'est ça, c'est le désert. C'est là où je voulais venir. Allez, donnez-moi de la vie. Donnez-moi des missiles. Même si je suis à fond. Tête Morbol, on speed vers le centre. Et voilà. Ah, on maîtrise mieux quand même, hein. Salle de chargement, ok. Ok, va falloir monter. L'eau nous fait crever, je pense qu'il y a des chances, oui. Fomenter où? Non, là apparemment on peut pas monter plus. Ok. Bah, quelle est où la prochaine plateforme? Oups, c'est celle-là la prochaine? Ça me paraît zarbe. Elle me paraît bien haute. Oui, elle est bien haute. Oh putain, on peut même pas y accéder ici. Ok, apparemment on peut pas accéder en haut, mais en bas il y a un truc. D'accord. Donc il faut aller dans l'eau. Et petite, une fois dans l'eau, en activant ça, on va peut-être pouvoir monter. Ok. Bon bah, plouf alors. Oh, les poissons.
Ah. Quoi, on peut même pas monter ici? Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette merde? T'es sérieux? Non mais t'es sérieux là? Mais what? Je peux même pas y encore y accéder ici. Mais what the fuck? Où y a un truc pour vider l'eau? Il n'y a pas l'air d'y avoir de système pour vidanger l'eau. Mais c'est quoi cette merde encore? Pas de quoi un morpole. Bon, ok. Là, il y a un truc que je pige pas. Mais bon. Ok. De larges fissures peuvent être observées sur la surface de ce pilier de soufre. Pourquoi il n'est pas tombé? Ce pilier n'est plus en mesure d'apporter un appui structurel. Ah, doit y en avoir d'autres, ouais. Il y a une réserve de missiles en haut, apparemment. Et là, forcément, on peut monter.
Eh mais attends. Trois missiles suffisent. Ok. Ah! Et comment on les crame ceux-là? Ok. Ok. Et là, on n'a plus de... Plus de méfiance. Du coup, va falloir aller en récupérer. Et est-ce qu'ici, on peut y aller maintenant? Toujours repos. Ok. Peut-être une fois que ce sera pété la gueule intégralement. J'espère. Bon, allez. Récupérons des missiles. Bonjour. Trois missiles, eh bien, c'est un radin le gars ou quoi? Ça doit aller. Sachant qu'on va les tirer à l'unité. Merde. Ah! Pas y arriver. Pourquoi t'as pas voulu y aller? Trop près du mur, c'est ça? Wow! J'ai failli me bousiller. Allez, on remonte. Ah putain, d'accord, tous les missiles.
Pourquoi j'ai plus l'interface du rayon de puissance là? Ah, parce que j'appuyais pas assez. La sensibilité des gâchettes. Merde. Hop, ça descend d'un cran. Pourquoi je suis tombé là? Putain, j'espère que j'aurai assez de missiles. Sinon, obligé de tout refaire. J'ai vu un truc qui peut éventuellement m'ordonner du missile. Donc j'y retourne. Ah ben il est plus là le truc, forcément. Ah si, il est là. D'accord, ça me redonne de la vie, c'est tout. Tout en m'en retirant, j'adore. Ah ben j'aurais pas assez de missiles. Putain, mais il en faut combien des missiles pour arriver au fond là? Mon nation épuisée. Aïe, dégâts de chute, forcément. Y a pas une salle de save, pas très très loin. Ah bah si, voilà. On va aller save. Enfin, on va pas aller save, on va aller récupérer ce qu'il nous faut pour trucider tout ça. On va essayer de faire du missile perfect. Sauf si éventuellement là j'arrive à tout me régénérer, ce qui m'étonnerait quand même. Tu vois, 30 sur 50, on va essayer d'avoir les 50. On va chercher le 50 sur 50.
Yep. Non, je ne sauvegarde pas. Je sauvegarde que si j'arrive à arriver à avoir un autre truc supplémentaire. Ok. Comment ça, 39 sur 50? J'étais pas censé être à 50 sur 50 là? Ça redonne que de la vie, ça redonne pas les armes. Ah ouais. Allez. On va aller finir de récupérer les missiles. Sympathique, le jeu. À gauche, à droite, je suis un drôle d'oiseau. Donne-moi les missiles, vas-y. Connard. Il a pas volé. T'as repop? Yeah! T'as intérêt à me donner tes missiles, toi! Yep. J'allais parler trop vite. Et c'est bon. J'y suis full. Oh putain! Tout à l'heure c'était juste, et ben là c'est pas passé. Non! Pourquoi j'y arrive plus? La première fois c'était tellement bien passé. La deuxième un peu moins. Et troisième, il me faut des tentatives. Pourquoi il y a tout qui bouge? Bon, et pourquoi j'ai 49 et pas 50?
truc incompréhensible. Jusque-là, ça va. Ouais, c'est une réserve de missiles en plus qui est en dessus. Aïe! Patient. 3. On va attendre un peu. Je devrais en avoir juste le compte. Un peu plus peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas cramé un seul missile. Salut Jim là-haut. Comment vas-tu? Ouais, je l'ai fini, ouais. Et je l'ai cramé deux fois parce que j'ai oublié de sauvegarder juste après, je suis mort. J'avais quasiment plus de vie en plus, donc. Et même en repassant à la salle de sauvegarde, je pense que je me serais fait tuer. Je me serais fait tuer avant. Par contre, je sais pas où aller. Du coup, je visite. Je fais les trucs que je pouvais pas faire. Ok. T'en pas, bah t'es t'en pas bien, hein. C'est le principal. Alors, c'est quoi? C'est une réserve de missiles ou c'est un autre canon? Le diffuseur d'ondes. Cette attaque surpuissante fonctionne conjointement avec les missiles. Activez le rayon à ondes, puis maintenez enfoncé le bouton A pour charger, pour tirer, appuyez sur le bouton Y. On continue à appuyer sur A de façon prolongée. T'es donné. Ouais, je crois, ouais. C'est encore pire que le rayon qu'il y avait avant, je pense.
Ouais, je suis tombé dans l'eau. Impeccable. Et là, je pense pas pouvoir y arriver. Et là, je vois pas comment y accéder. Tout cas, pas tout de suite. Ok, bon. Bam, bam, bam. Je sais pas où aller. On va continuer la visite. Étant donné que là, je peux pas y accéder. Il y a une salle. Il y a une salle. C'est horrible, ça, quand ça fait ça. Là, on peut pas y accéder encore parce qu'on n'a pas le balancier. Donc là, on peut pas y faire. Mais oui, on peut accéder ici maintenant. On a la Morph Ball magnétique. On peut y arriver ici. Il y a quoi d'autre comme chemin? Ici aussi, on peut y arriver à monter, il me semble. Là, ça sert à rien de revenir. Alors, on est où? On est là. Ouais, passer par là, puis passer par là, puis passer par là. Et ici, ah oui, avec la salle. Ok. Ok, bon, on va faire ça. C'est bien, ça fait travailler la mémoire, ce jeu. Mais bon, on y arrive, on avance petit à petit, mais on le finira un jour, hein. Quand, on sait pas, mais on le finira. Maintenant que je sais que c'est magnétique ça, et que ça attire tout ce qu'il faut. Oups. La morbole au mauvais moment. C'est vers où qu'il faut aller déjà? C'est pas ici, ok. Pas ici parce qu'on peut pas, donc c'est ici. Yep. C'est
c'est ici. Faut pas monter. Non, faut pas monter. Faut simplement aller là. Ok, donc c'est ça. Yep. Yup, 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 yup. Il y a une salle de sauvegarde ici. Voilà. Comme ça. Là, normalement, on devrait pouvoir accéder. À une salle avec Morbol. Faut monter, faut monter. Ah, mais l'eau, elle fait rien en fait. Je pensais qu'elle faisait mal. Ou elle faisait mal à un moment, mais elle fait plus mal. Quoi, je l'ai pas eu? Elle faisait mal à un moment, maintenant elle fait plus mal. Voilà le passage. Et là, normalement, il y a un truc à Morbol au-dessus. Là. Réserve de missiles. 5 missiles supplémentaires. Hihihi, c'est toujours ça de prix, hein. Voilà. Temps de chargement.
Et maintenant que l'eau ne fait plus rien, là il y a un passage, mais on peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Donc, on a dit qu'on revenait sur nos pas et après fallait monter. C'est tranquille. Morbol. Chup. Et on se casse. Yep. Alors ça donne quoi ici? Ok. Faut être rapide. Faut être vraiment rapide pour pouvoir passer. Waouh. Et là, faut le rayon de glace. Moi, je n'ai pas le rayon de glace encore. Ouah, il y a de la lave.
Alors. Quel est ce fléau étrange qui infecte nos terres, pourchassant la moindre parcelle de vie dans sa soif de destruction? D'où venait le météorite responsable de cette catastrophe? A-t-il été fabriqué par des mains étrangères? Ou s'agit-il des restes d'une planète qui aurait connu une fin violente? Nous tremblons à l'idée que quelque part dans l'univers, il existe jadis une planète où de grands poisons coulaient à flot. Le cataclysme qui a détruit cet endroit maudit fut vraisemblablement d'une extrême violence. Peut-être existe-t-il d'autres météorites de cette nature qui font propager ce mal dans l'immensité de la galaxie? Pourvu que tous les restes de ce mal aient échoué ici sur Talon 4. Si tel n'est pas le cas, tout combat sera vain. Il est long le couloir. Ok. Au moins je peux ouvrir la porte. Putain, les effets de lumière et tout. Ah, c'est joli. On peut pas lui reprocher d'être moche. Ah. Mais non, mais non, mais non. Rayon de plasma. Ah non, missile. Ouh putain, oui, c'est du missile. J'allais dire, mais non, on nous envoie ici, mais on peut pas monter. Mais si. Ça, c'est le rayon de glace qu'il faut. En dessous, c'est quoi? Ah bah, j'y suis en dessous. Ok. Ok, donc là, ça m'étonnerait qu'on puisse passer. Ah, peut-être avec la Morph Ball. Mais avant, j'aimerais voir un truc. Non, on peut pas scanner. Donc, Morph Ball. M'entraîne. Quand tu comprends le principe de la Morph Ball, ça va tout de suite mieux quand même. Alors. À l'élu, si vous lisez ces mots, nos pierres auront eu un sens. Votre chemin est semé d'embûches, de monstres ignobles et affamés de se terrant dans les ténèbres, prêts à se jeter sur toute forme de vie pour apaiser cette douleur insidieuse enfouie au plus profond d'eux-mêmes. Certains d'entre eux sont très rusés, mais aveuglés par leurs intentions diaboliques. Ayant foi dans le pouvoir maléfique du Phazon, pour parvenir à leur fin, ils cherchent à se l'approprier à tout prix. Ces créatures sont les plus dangereuses. Elles sont peut-être même plus destructrices que le Phazon lui-même. Seul l'élu pourra les exterminer. Notre temple, le berceau, isole cette abomination du monde extérieur. Toutefois, nul ne sait si cet édifice sera assez résistant pour contenir ce mal à jamais. Comment pouvons-nous espérer que le berceau demeure intact si ce qu'il contient
se convulse dans les ténèbres, développant ses forces maléfiques. Le destin de ce monde dépend de la réunion des 12 artefacts qui composent le monogramme. La puissance de cette arme enchantée est énorme, mais limitée. Nous en sommes les garants, mais nos forces nous quittent chaque jour un peu plus. Est-ce que l'élu arrivera à temps? Avant que notre garde ait totalement baissé, il nous reste très peu de temps. Certains chozos ont acquis le don de voyance, tandis que notre relation avec l'univers est de plus en plus harmonieuse. Nous constatons que notre peuple compte désormais de nombreux prophètes. Nous entrevoyons l'avenir dans les ondulations de l'eau et nous entendons l'arrivée des jours prochains dans le souffle du vent. Bien que ce don de voyance soit fort estimable, la plupart de nos visions sont lugubres. La prophétie la plus effrayante et la plus récurrente annonce la venue du ver, né de parasites et élevé dans un cocon empoisonné. Le ver se développe, dévorant notre monde de l'intérieur, jusqu'à sa destruction, évidemment. Toutes les prophéties ne se réalisent pas forcément, et ce mauvais présage nous angoisse profondément. C'est pas gagné cette affaire. Hein. Réseau de monorail magnétique. C'est un réseau de monorail magnétique, ça? Eh, mais c'est cool, ça. Ouais, il a pas l'air d'être enclenché, hein. Non, il n'est pas du tout enclenché. Missile. Allez, on avance. On sait pas où on va, mais on y va. Bah.
Ah, j'aime pas la musique. Il y a un ascenseur derrière. Non, il n'y a pas d'ascenseur derrière. Je suis désolé. Oh putain. J'ai sauvegardé ou pas, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Ce filtre est destiné à l'absorption et au stockage de l'énergie solaire. Il a aussi une fonction décorative. Ok. Aberration, fantôme Chozo. Cette entité spectrale se compose essentiellement d'un champ bioélectronique. Étant donné que ces entités disparaissent et réapparaissent sans cesse, l'utilisation du viseur radioscopique est le seul moyen de les pister. Leur capacité à changer de dimension les rend invulnérables aux énergies naturelles telles que le feu, le froid et les ondes électriques. Leur comportement agressif et excentrique est probablement dû aux phasons. Ils sont particulièrement liés au site sacré du peuple Chozo où ils assouvissent leur terrible vengeance sur quiconque ose s'aventurer dans cette zone. Ça ne dit pas comment le cramer. Traduction des écritures, toutes les créatures de cette terre sont faibles et éphémères, comme elles existent dans une seule dimension, elles sont fragiles, vulnérables et périssables. Toutefois, certaines créatures échappent à cette loi immatérielle. Elles attendent au-delà du monde sensoriel, émergeant uniquement lorsque l'on remarque leur présence. Telle est la volonté des Chozo. Plus que tout, nous souhaitons éradiquer ce mal et voir la fin des ténèbres. Notre esprit restera animé jusqu'à ce que leurs élus interviennent et purifient cette terre de toutes ses abominations. Ça ne dit pas comment le cramer, hein. Hall des anciens. Non mais les portes, elles sont toutes fermées. Ça a l'air d'être ça. Ok. Fou. Les portes sont ouvertes. Yes. Il s'agit de la statue d'un ancien Chozo. Selon les écrits des Chozo,
Ces statues veilleraient sur les mausolées sanctuaires. Leurs mains tendues sont vides comme prêtes à recevoir une offrande. Ok. La structure mécanique de ce pont intègre un dispositif de rotation. La toute puissance des anciens se situe après le deuxième héros. Cette arme ne permet pas d'ouvrir. Ah mais c'est l'arme de glace qui permet d'ouvrir. Ok. Là, il y a un coin Morph Ball. C'est une salle de sauvegarde, ça. Ah non, de recharge. Okay. Il y en a très peu des salles de recharge, par contre. Il n'y a rien d'autre dans cette salle, apparemment. Hein. Non. Il n'y a rien d'autre. Eh merde. Ouais, c'était déjà rechargé à fond. Mais merci quand même. Oh merde, où est sorti? Ailleurs. Yep. Comme pour attendre une offrande. Il n'y aurait pas un truc à se mettre en boule à l'intérieur? Cette arme ne permet pas d'ouvrir. Ah oui, c'est vrai que c'est le glace. Je suis con. Et on peut pas monter. Ah quoique. On peut peut-être monter. Wouah, ok, je crois avoir compris. Non, mais si c'est ça, c'est un truc de malade. Ah non, on peut faire ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il disait? L'écran de protection et activer la fenêtre est sécurisée. Ok. Et... une charge explosive de faible intensité a été détectée dans ce... connecteur champ magnétique. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, si tu peux ne pas te péter la gueule, merci. Non mais là, il n'y aurait pas un truc où il faudrait sauter et se coller là-bas. Putain, mais si c'est ça, c'est un truc de malade. Yep. Et merci Docteur Pargo pour ton raid. Et salut Curseware. Et salut Pargo, comment allez-vous tous? Vous tous les 12 viewers à Monsieur Pargo. Bah ça va, ça va. Impeccable, tranquille. J'essaye d'avancer, ça avance, ça avance.
Et salut Monster, merci pour ton host. Sur Metroid Prime, j'étais obligé, ouais. Ah non, ça va, c'est plus... C'est mieux que ce que je pensais. Ouais, j'avance progressivement, tranquille. Honnêtement, au début, je disais que c'était un écho bis. Mais en fait, la difficulté est certes très dure. Superbe tes alertes Dreamcast, ouais, merci. C'est un jeu qui reste très dur. Mais même sans explication, t'arrives à avancer. Que Echo, même avec les explications, t'arrives pas à avancer. Voilà. Donc c'est pas un Echo bis quand même. Mais il reste très dur comme jeu. Faut en faire quoi de ces trucs? J'ai trouvé, hein. Enfin, j'espère. J'espère que je vais trouver en faire quoi. J'ai pas encore les rayons de glace. Et pourquoi ça s'est ouvert déjà? Ah, faut analyser. Tu as une vraie carte déjà, ouais. Une vraie carte. Ouais, voilà, on galère à faire les boss, à avancer un petit peu suivant les périodes aussi. Mais le jeu est quand même faisable. Le champ qui protège ce camp Nectar se compose d'un signal électrique sensible au froid. Ouais, sauf que moi j'ai pas le rayon de froid. Le champ qui protège ce connecteur se compose de longueurs d'onde irrégulières. Ce champ qui protège ce connecteur se compose d'un signal électrique sensible à la chaleur. J'ai pas le rayon froid. J'ai pas le rayon froid. Ouais. Je pense avoir au moins un des trois. Ouais. C'est peut-être le rayon d'onde. Bah non. Ah, peut-être chargé. Non. Ah si, ça a l'air d'être enclenché là. Merde. Le premier est chargé, ouais. Cette entrée a été téléchargée vers vos banques de données. Connecteur boule morphine standard. Une fois que le connecteur est actif, insérez-y la boule morphine, puis faites exploser une bombe. Ok, c'est le classique. J'ai bam. Oh, oh c'est magnifique. Et bonsoir Emule-moi, merci pour ton raid, salut tout le monde, putain le double raid. Ouais, il y a toute la clinique qui débarque et après le capitaine Emule-moi là qui vient de se faire soigner. Qui en profite. Comment allez-vous tous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai trouvé, hein. J'ai trouvé. Il y a toujours le scan à faire, de toute façon. Non, pas là, le scan. Ah, il n'y aurait pas un truc avec la boule morphing et se faire tomber dedans, non?
Ah, t'as commencé dès tout le matos pour la GameCube, le GC plug et tout. Ok. Yep. Ah bah oui, voilà, il fallait faire ça. Et là, forcément, ça revient à sa position d'origine. Eh bien, ça va impeccable. À fond sur Metroid. Il y a un truc à scanner là. Et salut Elcor, salut Jason, j'y arrivais. Jay. Je vais t'appeler Jay, ça ira mieux. L'écran de protection a été désactivé, soyez prudent lorsque vous vous approchez de la fenêtre. Ah oui, effectivement. Il n'y a plus l'écran de protection, on peut tomber. Ok. Ouais, c'est très bien comme ça. C'est une statue ou... Ouais, ça a l'air. C'est une statue. Non, ça fait peur. Quand t'as ça en face de toi, tu sais pas ce que c'est, ça fait peur. Alors, le dispositif de drainage semble fonctionner. Le niveau du bassin d'eau est maintenu à 95%. Ok. Ça va être quoi comme énigme? Ah, ça c'est un monstre. Il n'est pas encore actif, mais c'est un monstre. J'ai commandé le GC Plug. Ouais. Merci de ne pas utiliser le mot... Mais ouais. T'as pris le SD Media Launcher aussi? Le CD qui est juste là. Ouais. Espèce crapaud de pierre. Crapaud de pierre. Un crapaud dans l'eau. Normalement, l'eau n'aime la pierre n'aime pas l'eau. Donc un crapaud de pierre. Ouais, d'accord. Ce prédateur ne s'attaque qu'aux créatures plus faibles que lui. Le crapaud de pierre peut rester immobile des jours durant. Il s'attaque aux créatures qui sont plus petites que lui, les avale d'un bloc, il régurgite tout ce qui est indigeste et utilise des défenseurs. Ouais, bah le GC plug, c'est la connectique pour HDMI. Ok, bonne nuit Pargo, des bisous sur toi, du love, et merci pour ton raid. Et bonne nuit. La créature ne peut être détruite que de l'intérieur. Voilà. Ok. Je suis tombé dans l'eau. Comment on fait pour monter? Telle est la question. Je vais bien trouver, hein. L'eau est maintenue à 95. Il y a des tubes devant ça. On cherche un tube, je crois qu'on les a trouvés. Il y en a 3 ou 4.
Ok, c'est une rampe. Ah. Il y a quelque chose à déverrouiller là. Des fissures ont été observées sur le couvercle en alliage des conduits d'évacuation. Ah. Les yeux de Samus, c'est un truc de malade. Les reflets. Alors ça, par contre, c'est peut-être la Morph Ball, simplement. Boum! Et voilà un super skatepark. Là, honnêtement, il est super beau. Ah, j'ai pas réussi. Ok. Missile. C'est quoi qu'il y a derrière? Ah, une salle de save. Avec de la Morph Ball. Et tout tralala qui va bien. On va simplement aller voir ça. Ça mène où? Un ascenseur. Ok. On va l'activer l'ascenseur. Hein. Surface de talon. Ok. On va aller refaire un petit peu de skate park. Et hop. Et merde. Il y a quoi de beau ici? J'ai bien fait. J'ai bien fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Le rayon de glace. Ah putain, je peux aller partout, quasiment partout. Je peux aller partout. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Putain, les effets de fumée là. Ah, le jeu est très très beau. Ok. Donc c'est pour aller à la surface de Talon encore. À deux endroits différents. Ok, il sait quelle heure. Ouh, je vais pas tarder à arrêter. J'ai juste voir où ça mène. Surface de talon.
Eh bien, bonjour et bienvenue, le beau Rémi. Merci pour ton raid. Et bienvenue à toi et à tes viewers. Comment allez-vous? Bonsoir de sucre. Ok. Je suis en train de lire le chat et en train de me faire défoncer par la même occasion. Comment allez-vous tous? Ouais, je vais me casser d'ici, je vais aller sauvegarder. Et merci pour ton host, bienvenue dans la horde, Rémi. Bah ça va bien, ok, impeccable alors. Justement, vous arrivez à la fin, j'allais sauvegarder là et... J'étais juste en train de voir ce qu'il fallait pour avancer. Où j'allais pouvoir aller après la semaine prochaine. Alors, ça mène où ici? La glace, merci. Ok. Ah ouais. Une réserve de missiles. Yes, 5 missiles sup. Par contre, j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Et là, on arrive en haut de cette zone. Ok. Et bien on continuera via l'autre partie. Merci de vous virer, vous. Voilà, on passe mieux. Et on va aller sauvegarder avec la nouvelle réserve de missiles fraîchement acquise. Ouais, je stream de la vraie Dreamcast, de la vraie GameCube. J'utilise le Game Boy Player pour les jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Ouais, ce n'est pas de la quantité, mais de la qualité. Ouais, c'est. J'essaye de finir les jeux à 100%. Enfin, à 100%. J'essaye de finir les jeux. Voilà. Sur des vraies machines. Ouais, c'est ça. Donc je vais sauvegarder. Avec la manette de la GameCube, la manette de la Dreamcast qui est juste à côté. Voilà. La Game Boy Advance SP qui est reliée à la GameCube. Pour se servir de manette, c'est parce que des fois la manette GameCube n'est pas optimum pour jouer. C'est un peu chiant de jouer à des jeux Game Boy Advance.
à la manette GameCube. Et donc, on va voir qui on va raid, forcément. On va voir qui on va raid. Alors, qui a? Alors, qui a? Ouais, le pad GameCube n'est pas le plus pratique, mais c'est pas le meilleur. Je peux vous laisser sur de Metroid Prime, version HD. Sinon, il y a Brutal qui est en live sur un jeu bataille navale, ou Linko qui est en sur Professeur Layton. Vous préférez quoi? S'il n'y a pas de réponse, je pense qu'on va rester sur du Metroid. Ok, mais je vous envoie chez Mister Val alors. Très très bon streamer aussi. Il fait. Là, il passe par émulation, je pense, et il fait Metroid Prime HD. Retexturé. Yop, je balance le raid. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live. On se retrouve jeudi pour la suite de Sky of Arcadia, qui est ici, dans une version un peu spéciale, étant donné que c'est la version japonaise qui a été reboostée par la version PAL pour avoir les sous-titres. Donc, no censure sur la version. No censure. C'est la seule qui existe qui est pas censurée. Hein. La version Dreamcast en japonaise, c'est la seule. Parce que même la version GameCube en japonaise est censurée. Voilà. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve jeudi. À la prochaine. Salut.